Les amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Et cette nouvelle peut aussi effrayer quelques personnes. Huggy Wuggy a fêté son anniversaire. Et devinez chez qui? Chez moi. Pour l'occasion, j'ai acheté plein de gobelets de toutes les couleurs. J'ai aussi pris des ballons avec des dessins de ses meilleurs amis. Là, il y a Kissimissi. Et là, il y a Poppy. Et j'ai aussi plein de stickers pour son anniversaire. Regardez-moi ça. Ah bah attendez, le voilà qui m'appelle. Allô, mon très cher ami Huggy Wuggy, comment ça va? Oui, ne t'en fais pas, je suis justement en train de leur en parler. Oui, t'inquiète pas mon ami, il y aura des bonbons aux crottes de nez rien que pour toi. Oui, t'inquiète, je me suis aussi occupé des jus de chaussettes, ne t'en fais pas. Ah, d'accord. Ah, tu veux aussi des bonbons aux escargots? Ok, ça marche, je leur dis tout de suite. Vas-y Huggy Wuggy, salut. Huggy Wuggy vient de m'informer que un like est égal à un ticket pour son anniversaire. Si tu veux venir dans son anniversaire avec moi, il faut mettre un like sous cette vidéo et me dire dans les commentaires que tu veux venir. Comme ça, on pourra aller à l'anniversaire de Huggy Wuggy ensemble. Bref, aujourd'hui, nous allons voir les pires créations de Poppy Playtime. C'est une totale découverte pour ma part et ça risque d'être incroyable. Un conseil, reste jusqu'à la fin. Ok, c'est parti les amis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va se passer. Attendez, on a Killy Willy. Il a deux bébés de Huggy Wuggy dans sa main. Et il est en train de dégommer notre pauvre Huggy Wuggy. Mais pourquoi? Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il va leur faire à votre avis les amis? On va voir comment la personne a fait cette création là. Et ça risque d'être incroyable. Du coup là il a placé les murs. Il a mis du sang, etc. Là, il va passer, je pense, à la création des personnages. Ok, je pense qu'il va commencer par notre très cher ami Huggy Wuggy, qui s'est fait dégommer par notre très cher Killy Willy. Mais je pensais qu'ils étaient frères. Mais les amis, c'est la première fois que je vois Killy Willy en mode tout rouge, avec plein de yeux dans sa tête et tout. C'est grave bizarre. On dirait que c'est Killy Willy, mais en mode mutant. Bon, ok, là, il est en train de passer aux yeux, si je me trompe pas. Ouais, ok. Ça doit être les yeux, les amis. J'en suis sûr. Ouais, ok, c'est les yeux. Oh non, le pauvre. Oh, le pauvre. On va voir. Il fait détail. Attendez, ça, à votre avis, c'est quoi? Oh, ça doit être ses dents. Ça doit être ses dents, c'est sûr. Ok. Oh, il y a Killy Willy. Il y a Killy, Kissimissi, Huggy Wuggy qui sont passés. Ok, il a fait la bouche de Huggy Wuggy. Oh, ok, il lui a fait une bouche ouverte comme s'il était en train de crier en mode... Aidez-moi, au secours! Ok, du coup, là, il passe à son ventre, ses jambes. Ok, bon, il passe carrément à son corps. Mais, qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là, notre pauvre Huggy Wuggy? Ok, du coup, là, il nous a fait les bras et les jambes qu'il va directement mettre sur notre Huggy Wuggy. Franchement, les potes, un like est égal à un soutien pour Huggy Wuggy. Mais regardez comment il est fort, il fait carrément tous les détails et tout. Oula, attendez, la couleur jaune, elle signifie quoi? Ah, peut-être ses mains. Oui, ok, c'est ses mains et ses pieds, je pense. Ouais. Ok, ouais, c'est carrément ça, ouais. Ok, les amis, là, notre Huggy Wuggy commence à prendre forme. Mais malheureusement, c'est triste à dire, hein. Mais j'aime pas voir Huggy Wuggy comme ça, les amis. J'ai l'habitude de le voir en forme et tout. Oh non. Et le voir comme ça, les amis, ça me fait quelque chose au cœur. Oh, il fait quoi? Ah, il place la petite décoration. Ah, ils sont dans le magasin de jouets, j'ai l'impression. Oh, les potes, je crois qu'ils sont dans le magasin de jouets. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi. Oula. Là, les amis, j'ai l'impression qu'il passe à Killy Willy. Il passe vraiment à Killy Willy. Ah, au secours. Ah oui, mais d'accord, mais là, le Killy Willy, là, il est pas du tout comme je l'imaginais, là. Regardez-le. Ah, franchement, les amis, par contre, ce personnage-là, il me fait flipper. Il me fait flipper. Mais je suis sûr que Mommy Long Legs, en termes de baston, elle peut faire quelque chose contre Killy Willy. Ah, ok. Du coup, là, je pense qu'il passe. Ah, non. Mais depuis quand il a les lèvres roses, Killy Willy? Regardez, il a les lèvres roses. En vrai, ça lui va bien. Ça lui va bien, en vrai. Ok. Du coup, là, il passe carrément au corps. Ah, ok, il lui a fait les bras, les jambes et tout. Ok, il prend forme. Oula. Oulala. Oh, regardez tous les bras qu'il lui a fait. Oh, c'est trop stylé.
C'est trop stylé, regardez-moi qu'il est Willy Mutant! Il a carrément les yeux rouges et tout. Waouh! Ah ok, même les détails, ils y sont. Hein. Ok, d'accord, les amis, il fait peur. Hein. Je sais pas trop ce que Huggy Wuggy a fait. Oh! Regardez! Il lui écrase la main! Ah, c'est pour ça que Huggy Wuggy crie! Oh non, le pauvre! Il lui a écrasé la main! Oh non, regardez, il lui fait des blessures dans... sur son corps et tout! Oh, le pauvre Huggy Wuggy, les amis! Franchement, oh! Et là, du coup, Killy Willy a dans ses mains les deux enfants de Huggy Wuggy! Mais il va faire quoi? Il va les manger, à votre avis? Oh non, les pauvres! Oh, ça me fait de la peine! Mais laisse-les tranquilles à la fin! Oh ouais, non, les pauvres! Waouh! Killy Willy fait flipper pour le coup! Cette première création de Huggy Wuggy, les amis, était vraiment bizarre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, ceux qui sont d'accord, vous me dites dans les commentaires. Mais je trouve que Killy Willy est devenu super méchant. Parce que s'attaquer aux enfants de Huggy Wuggy. Bah, faut avoir du courage quand même, hein. Pour le coup, voilà. C'est parti, là, on va. Là, nous allons voir plein de créations différentes concernant tous les personnages de Poppy Playtime. Et ça risque d'être vraiment cool, c'est parti. Ok, c'est parti pour la première création. Du coup, alors, attendez, il a pris une feuille en papier, il l'a plié en deux. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il cherche à faire avec tout ça. Déjà, il dessine quel personnage? Ah, ok. Il dessine Huggy Wuggy. Ou peut-être Kissimissi. Peut-être. Du coup, là, pour l'instant, il fait un brouillon avec son crayon, pour être sûr. Ah, regardez, il a déplié la feuille. Et maintenant, il fait la grande bouche de Huggy Wuggy. Ah, ok, j'ai peut-être mon idée de ce qu'il recherche à faire, ouais. Ah ouais, ok. Ok, les amis, il a passé à la couleur, regardez. Là, du coup, là, il commence à passer au feutre. Il a fini le dessin au crayon. Maintenant, il est sûr de son dessin. Et on va voir tous ensemble qu'est-ce qu'il essaye de dessiner. En tout cas, il dessine bien. Il dessine vraiment bien. Si parmi nous, on a des très bons dessinateurs, envoyez-moi tous vos dessins sur Instagram. Mon Instagram, c'est Sukaofi. Voilà, il est incroyable. Envoyez-moi tous vos dessins. Waouh. Ah, mais regardez ses yeux. En vrai, le Huggy Wuggy, là, il est pas si méchant que ça. Il est même peut-être mignon, hein, en vrai. Ah oui, quand même. Oh, d'accord. Mais c'est trop stylé. C'est incroyable. Il a juste à l'ouvrir et le refermer. Non, c'est trop stylé. Alors, pour le coup, lui, il nous fait une momie long legs. Ça nous fait plaisir. C'est mon personnage préféré, personnellement. Vous me dites dans les commentaires, c'est qui votre personnage préféré à vous. Et en vrai, il est en train de nous dessiner une momie long legs qui tient une poupée de Huggy Wuggy. Et on va voir derrière tout ça, qu'est-ce que ça va nous ramener de beau. On va voir ça. En tout cas, c'est beau gosse. Pour l'instant, c'est stylé. Pour l'instant, ça m'a l'air stylé. Les détails, ils sont. La momie long legs est très bien faite. Franchement, pour l'instant, rien à dire. Attendez, il a pris une autre feuille. Et là, il est en train de faire une espèce de microbe, j'ai l'impression. Je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à quoi, ça? Attendez, mais... Mais attendez, mais... Ça a rien à voir avec momie long legs, ça. C'est quoi? C'est un alien. Ah, les amis, c'est peut-être une tache de sang. Attendez, attendez. En vrai de vrai, on a jugé le truc un peu trop vite. Ouais, mais attendez, les amis, c'est carrément une flaque de sang, ça. Une flaque de sang avec des yeux. What? Ouais, regardez, il fait des petits yeux verts au milieu. Bon, je sais pas trop ce que c'est. On va voir ça. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ok, il a fait un espèce de système. Et du coup, quand il met la feuille avec l'espèce de crotte de nez de sang, là, et qu'il tourne le crayon, et bah, ça donne quoi? Ah, ça donne rien? Ah, et là, il met la momie long legs. Attendez, les amis, on va peut-être mieux comprendre. Ok, il passe la momie long legs. Et il y a... Oh,
d'accord. Et c'est là qu'il y a la flaque de sang qui apparaît. Ok. Oh, alors attendez les amis, là il a pris des cartons, il nous a donné la mesure. On va voir un peu qu'est-ce qu'il va faire avec. D'accord, ok, il colle tous les cartons entre eux. J'ai l'impression qu'il essaie de faire une espèce de boîte. J'ai l'impression, ouais, ok. Il fait carrément une boîte. À quoi ça va servir tout ça? En tout cas les amis, tout ce que je sais, c'est que je suis sûr que le résultat final sera trop stylé. Ok, il colle tous les morceaux de bois ensemble. Ok, là il passe au dessin, il est en train de nous faire un Huggy Wuggy avec plein de dents. Regardez-moi ça, le Huggy Wuggy, franchement il est stylé. Là il passe un petit peu à la couleur. Franchement j'ai hâte de voir le résultat final les amis. Dites-moi dans les commentaires si vous allez tester un petit peu vous aussi ces genres de créations. Voilà. Ok, là il passe à la bouche. Oh, je sais pas pour vous mais je trouve ça super satisfaisant le fait de faire ça en vrai. Non? Incroyable, j'aime trop. Oula, ok, il a coupé le Huggy Wuggy. J'ai l'impression qu'il le colle à la boîte. Attendez. Oh, les amis, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. Et là, tu mets tes pièces, il nous a fait une tirelire Huggy Wuggy. Incroyable. C'est littéralement incroyable. Je veux la même. Celui qui me fait la même, eh ben, je lui fais une dédicace. Voilà, regardez comment c'est stylé. Il a récupéré encore des cartons, des crayons et des feuilles. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va faire. Il va peut-être faire le truc qu'on a vu au début. Vous savez là, l'espèce d'invention bizarre. Ok, d'accord, il regroupe tous les cartons. Oula, il s'est mis un petit peu de colle sur les doigts aussi, hein. Ah, ok, ok, d'accord, c'est exactement le même truc que tout à l'heure. Là, il passe au dessin, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il essaie de faire. Je vois un Huggy Wuggy version robot, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, mais attendez, mais il nous fait quoi, là? Il nous fait un Huggy Wuggy robot? Mais attendez, mais c'est trop stylé, c'est trop bien fait. Regardez ses mains, regardez ses pattes, mais attendez, mais... C'est Huggy Wuggy et le prototype? Non. 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 Et du coup là il passe au second dessin. Ah oui, ok, waouh. D'accord, ça c'est l'intérieur du Huggy Wuggy prototype. Ok. Regardez, regardez quand c'est dessiné, comment c'est. Ah mais c'est mille fois mieux. Ah oui, d'accord. Waouh. Ok, du coup là on a le Huggy Wuggy normal, enfin le Huggy Wuggy prototype, et le Huggy Wuggy sans peau quoi. Ok, là il le rentre comme tout à l'heure. Ah, oh, j'ai hâte de voir. J'ai trop hâte de voir. Ok, ok, d'accord le Huggy Wuggy. Ok, attention. Et quand tu l'écrases. Ah, ok, on voit du sang. Oh, mais c'est trop bien fait. Bah, c'est trop bien fait. Je crois que je commence à perdre la tête, mec. Attention, les amis, ça, c'est peut-être la création la mieux faite de cette vidéo. Du coup, on va voir un petit peu ce qu'on en pense, hein. Alors, ok, là, il nous fait un Huggy Wuggy. Déjà, le Huggy Wuggy, il est moins bien dessiné que tout à l'heure. D'accord? Là, il va nous faire l'intérieur du Huggy Wuggy. Tu sais, quand tu déplies le papier, t'as envie de voir l'intérieur. Ah oui, quand même, d'accord. Oh, ok, j'ai compris, il veut peut-être faire un Huggy Wuggy prototype, lui aussi. Ah, mais attendez, mais comment ils font pour dessiner aussi bien? Les amis, moi aussi, j'ai envie de dessiner comme ça. S'il vous plaît, les potes, qui peut me donner des cours de dessin? Et pour que je fasse une vidéo comme ça dans la vraie vie, moi aussi. Bon, attention, là, il passe aux couleurs. Oh, incroyable. Trop bien fait. Trop bien fait. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, il essaie de faire des petites dégradés de couleurs. Regardez, genre, du bleu foncé, petit à petit, ça va au bleu clair, tu vois. Ok, du coup, là, il est en train de nous faire... Il nous a clairement fait le Huggy Wuggy prototype. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ok, les amis, attention, mais regardez-moi ce résultat, il est incroyable. Et j'ai hâte de voir quand il va déplier le Huggy Wuggy. Ok, les amis, regardez. Oh, attendez. Waouh. Oh, incroyable, mais c'est trop bien fait, c'est trop bien fait. Mais regardez-moi quand il déplie le truc. En fait, quand il le déplie, on dirait vraiment que c'est réel. Et qu'on voit vraiment l'intérieur de la tête de Huggy. Attention, les... Oh, attendez. Il nous fait ni Huggy Wuggy, ni Mommy Long Legs. Ok, il est en train de nous faire, si je me trompe pas, Benzo Bunny.
Benzo Benny? Ok les amis, j'ai clairement l'impression qu'il nous fait le Benzo Benny. Vous savez, c'est le lapin là qui fait que de faire ça. D'accord, attendez, mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Il le met dans une espèce de pochette, une pochette noire, et il dessine par-dessus au feutre. Ok, intéressant, on va voir le résultat final. Ok, là, on te reconnaît mieux. Ah, voilà, Benzo. Ah, là, on te reconnaît mieux, mon pote. Du coup, alors là, il est en train de nous faire un beau petit dessin. Voilà, tranquille. Ok, mais pourquoi il l'a dessiné au feutre? Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et surtout qu'il dessine par-dessus une pochette. Alors que de base, c'est pas du tout ça, tu vois. Oh, attention, il a presque fini le coloriage. Et du coup, il l'enlève. Attendez, il a dessiné une torche? Qu'est-ce que... Oh, d'accord! C'est comme si t'éclairais le dessin, regardez. Alors qu'il a juste dessiné une torche. Incroyable. Et là, il nous montre comment il a fait la torche. Mais attendez, mais c'est un génie, ce mec! Là, on a Huggy Wuggy qui met un gros coup de poing. Mais pourquoi faire Huggy Wuggy? Qui t'a fait du mal? Attendez, mais là, le Huggy Wuggy, là, il nous fait le Superman, là, avec son poing, là. Il se passe quoi? Un petit peu. On va voir un petit peu la finalité de ce dessin. En tout cas, pour moi, il m'a l'air d'être stylé. J'ai hâte de voir le résultat final, les amis. Attention. Ok, Huggy Wuggy en mode Superman. Oh, il a coupé le poing de Huggy Wuggy. Pourquoi? Oh, d'accord! C'est comme si le poing de Huggy Wuggy avait traversé ma main! Mais attendez, mais ces mecs-là, ils ont trop de créativité, ils sont trop malins! Ils sont trop intelligents, mais ils sont trop forts! Waouh! Bon, les amis, franchement, c'était incroyable! On a vu des créations vraiment what the fuck! En tout cas, si la vidéo t'a plu, tu mets un gros like, tu t'abonnes pour plus de vidéos de ce style-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires la création que tu as le plus kiffée. Et sur ce, on se dit à la prochaine, c'était Suka, ciao les